déboisée pour prendre un nouveau départ. En Écosse, les Highlands sont en plein bouleversement. Des millionnaires venus s'installer dans la région veulent modifier le paysage pour lutter contre le changement climatique. Ainsi, on redonne vie aux marais et on plante des forêts de l'espoir. Objectif, réensauvager la région pour stocker davantage de CO2. C'est plein de carbone. Quand les experts ont dit qu'il fallait abattre ces plantations en monoculture, j'ai dit, vous êtes sérieux? Je suis un défenseur de la nature, je ne vais pas raser des milliers d'arbres. Et regardez, pour l'instant, on dirait un champ de bataille, mais je sais déjà ce que ça va donner d'ici 3 ou 4 ans. L'image des Highlands, telle qu'on les connaît actuellement, avec leurs collines dénudées, leurs marais et leurs landes, appartiendra peut-être bientôt au passé. Jeremy Leggett, un écrivain et entrepreneur anglais, est venu vivre en Écosse. Il y a 3 ans, il a déménagé sur les rives du Loch Ness. Non pas pour profiter de sa retraite, mais pour modifier le visage des Highlands, les rendre plus sauvages et plus verts. Sa nouvelle demeure n'est autre qu'une ancienne école. C'est là qu'il organise sa révolution écologique. Jeremy commence la journée par un café filtre au lait d'avoine. Il a de grands projets. La nature est sur le point de reprendre ses droits dans les Highlands. J'ai rapidement appris qu'il n'existe pas de règle établie en matière de réensauvagement de la nature et que la plupart des experts ne s'accordent pas sur la question. Mais je peux aisément me figurer les changements à venir. On ne peut que jouir de cette vue magnifique. Mais un paysage n'a pas besoin d'être beau pour être réensauvagé. Ses plans sont radicaux et ambitieux. Il veut capter plus de CO2 sur son domaine, tout en y favorisant la biodiversité. C'est Daniel Holm, biologiste et sylviculteur, qui est chargé avec ses collègues de mettre en œuvre ce projet. Derrière ces murs épais, l'équipe protège des milliers de plants d'arbres qui vont bientôt pousser en pleine nature. Un noisetier. Ici, on a opté pour des noisetiers, des chênes et des bouleaux, plutôt que pour des épicéas et des pins. À une forêt de conifères en monoculture, on préfère une forêt mixte de feuillus. Presque tous ces arbres sont des essences locales écossaises. On ne plante aucun arbre commercial. On veut en finir avec ça. Reste à savoir si ces jeunes plants vont survivre une fois réintroduits. C'est un bon début. Car dans leur milieu naturel, un ennemi vorace est à l'affût. Les cerfs nous posent un sacré problème. Ils sont trop nombreux. On protège les arbres qu'on plante pour éviter qu'ils ne soient dévorés avant même d'avoir eu la chance de grandir. Comme ça arrive à ceux qui poussent naturellement. Il y a un millénaire, une forêt dense recouvrait encore les collines écossaises. Jusqu'à ce que les humains déboisent tout. Après des siècles d'exploitation pour la chasse et l'agriculture, la forêt va maintenant y faire son grand retour. Cette année, Daniel prévoit de planter pas moins de 70 000 arbres sur un terrain où paissaient autrefois des moutons. On va les repiquer à 2,50 m les uns des autres. On va commencer en partant de ce côté. Daniel a grandi dans la région. Il a à cœur de rendre aux Highlands leur visage d'autrefois. Afin de lutter contre le changement climatique, il a déjà réintroduit 1 million d'arbres. C'est un travail très manuel. Quand on fait ça toute la journée, c'est très fatigant, mais aussi gratifiant. Parce que planter des arbres est une bonne action. Ça fait du bien.
Je ne verrai jamais la plupart de ces arbres former une forêt. Mais je peux me faire une idée du résultat en observant celles qui existent déjà. Je me réjouis simplement de chaque arbre qui pousse maintenant ici, en sachant qu'il y en aura plein d'autres à l'avenir. Revenir en arrière et réduire ainsi l'influence néfaste des humains, c'est ce qu'on appelle le rewilding, le réensauvagement. Une manière de contrecarrer le réchauffement climatique. Bonjour. Qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui ? Des chênes et des bouleaux. De notre propre pépinière ? Exactement. Jeremy est la tête pensante de ce projet écologique. Et tant qu'il y est, autant mettre la main à la pâte. Le nouveau maître des lieux veut s'assurer que plus rien ne rappelle ce à quoi ressemblait cet ancien domaine de chasse quand il l'a repris. Quand je l'ai vu, je me suis dit que ça ferait un super terrain de golf. Je plaisante, bien sûr. Mais tout était si tondu qu'on aurait pu frapper dans une balle de golf toute une journée sans jamais la perdre. Il y avait des centaines de moutons qui broutaient l'herbe jusqu'à la racine. Alors on les a évacués. S'il a suffi de résilier le bail de fermage avec le berger, la situation est plus compliquée concernant les serres. Si on veut faire pousser des arbres pour augmenter la quantité de carbone qu'on retire de l'atmosphère, il faut drastiquement réduire la population de serres. C'est malheureux parce qu'ils n'y sont pour rien. Ce sont les humains qui les ont laissés se multiplier. Mais on n'a pas le choix. Ça deviendra un beau noisetier un jour. Planter des arbres est aussi un investissement pour Jeremy. D'après ses calculs, les propriétés réensauvagées pourraient bientôt valoir des millions. Chaque arbre compte. C'est une bataille qui se livre en d'innombrables étapes. Il n'y a pas de formule magique, ça demande beaucoup de travail. Et ce ne sera pas simple. Voilà les Highlands tels que beaucoup les connaissent. Une succession de collines dénudées, recouvertes de marais et de landes à perte de vue. Ce que peu de gens savent, c'est que c'est la main humaine qui a modelé ce paysage. Jamie Williamson est propriétaire de ce domaine de chasse de plus de 5500 hectares, qui appartient à sa famille depuis 5 générations. Par le passé, l'endroit était un terrain de jeu pour la haute société britannique. Aujourd'hui, il attire surtout des touristes fortunés. Plus de 70% de notre territoire se compose de ce paysage vallonné, constitué de bruyères, de roches et d'éclats de granit. Traditionnellement, on y chassait la grouse et le cerf. Et c'est encore l'utilisation principale qu'on en fait actuellement. Dans les Highlands, le temps peut changer d'une minute à l'autre. Et avec le climat qui s'y fait plus rude, l'activité de chasse traditionnelle proposée par Jamie pourrait bien disparaître elle aussi du jour au lendemain. Samedi matin, jour de fermeture hebdomadaire du domaine. Rory, le fils de Jamie, profite de l'occasion pour aller chasser quelques heures. Avant de se lancer, il teste les armes sous la surveillance du garde-chasse du site. C'est une activité que mon père et mon grand-père pratiquaient avant moi, et qui me plaît aussi. C'est une super sortie, l'occasion de passer du temps avec des amis, de discuter des dernières nouvelles et de prendre un bol d'air. Ça fait partie intégrante de la vie ici. Mais les temps changent. De nombreux domaines de chasse sont à vendre dans la région. Celui de Jamie est aujourd'hui encerclé par ses nouveaux seigneurs verts, des milliardaires ou hommes d'affaires ultra riches qui réensauvagent et reboisent leurs propriétés fraîchement acquises. C'est un peu triste parce qu'ils viennent ici et nous disent qu'on exploite mal nos terres, qu'ils savent bien mieux comment il faudrait s'y prendre. Sauf qu'en fait, on constate que notre économie va mal, surtout à la campagne, et qu'elle souffre à cause de ces personnes qui débarquent et ne savent pas vraiment ce qu'elles font.
Préserver les bonnes vieilles traditions n'est plus aussi facile. Aujourd'hui, la chasse a été bonne pour Rory et William, le filleul de Jamie. Les voilà. Ils ont d'abord récupéré mon cerf. Les deux hommes en ont abattu un chacun. Conformément aux conventions, ce sont les gardes-chasse employés par le domaine qui se chargent de rapporter le butin. C'était une formidable journée. C'est un moment fort pour nous quand on se retrouve dans ce cadre magnifique, au grand air, et qu'on essaie de trouver le meilleur moyen de se rapprocher du cerf. Tout le plaisir est là. D'un coup, il est tout prêt. C'est un instant très émouvant, surtout pour moi qui ne tire pas si souvent que ça, et pour qui c'est assez nouveau. Tu es tendu ? Oui, bien sûr. Parce que tu ne veux pas manquer ta cible. Reste à savoir qui a le droit d'abattre du gibier et dans quel but. La question fait débat depuis longtemps. Les deux hommes veulent que la chasse reste un sport de loisir et une activité commerciale. Prends une patte et pousse-la. La haute société sent une menace peser sur ses traditions séculaires depuis que certains font abattre la faune sauvage pour protéger des arbres et sauver le climat. Les gens nous disent que nous n'avons pas à nous prendre pour Dieu et à décider quels cerfs doivent mourir. Mais est-ce que c'est au Seigneur Vert de jouer les démiurges en les éradiquant et de décréter quels animaux ont le droit de vivre? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'intégrer à cet environnement, l'administrer et en préserver l'équilibre? Le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, on ressent une pression. Une sorte de lutte culturelle agite les Highlands. D'un côté, il y a ceux qui chassent le gibier pour le plaisir de la traque. De l'autre, ceux qui font abattre cette faune sauvage de façon ciblée pour pouvoir reboiser la région. C'est bon. Il est bien droit. Pousse, mon fils, ma fille. Cependant, la mutation verte incarnée par Jeremy et d'autres investisseurs millionnaires se heurte aussi au scepticisme. Quand on s'est lancé, on nous a averti que tout projet a toujours ses détracteurs. C'est dans la nature humaine de s'opposer. Ils diront peut-être qu'ils sont contre pour une raison particulière, mais en fait, ils ont leur idée en tête et on ne les fera jamais changer d'avis. Protéger les arbres étant la priorité des priorités, on dispose des étuis en plastique autour des plants pour les prémunir contre les animaux voraces. Mais ce n'est pas suffisant. Avant de procéder à un abattage ciblé des cerfs, Daniel a besoin de se faire une idée précise de leur nombre. Il a donc installé des caméras de chasse sur tout le domaine. On ne veut pas les éradiquer, ce serait trop de travail. On cherche simplement à faire baisser leur nombre au maximum. Réduire la population de cerfs est très important. On a maintenu leur nombre élevé de manière artificielle et ils n'ont pas de prédateurs naturels. Ils ont pullulé à un tel point que la nature n'arrive plus à juguler leur développement. Les chasseurs sont réticents à se faire filmer pendant l'abattage des animaux. Daniel nous montre son endroit préféré du domaine du Loch Ness. Une forêt de chênes séculaires qui donne une idée du visage que devait avoir autrefois la région. J'aimerais que les Highlands soient plus sauvages à l'avenir. J'adore ce genre d'endroit, ces habitats sauvages d'Écosse. Tout devrait ressembler à ça. Plus à l'est, la réserve naturelle de Mar Lodge est spécialisée depuis près de 20 ans dans le réensauvagement de la région. Cet ancien domaine de chasse est entré en 1995 dans le giron du National Trust, une organisation à but non lucratif qui s'est donnée pour mission de conserver et valoriser le patrimoine britannique. À Mar Lodge, la fondation est même allée encore plus loin, en donnant à la nature la chance de s'auto-régénérer.
C'est un endroit où la nature est longtemps passée au second plan. Mais maintenant, les choses ont changé. Quand je viens me promener ici, je vois un paysage de toute beauté, qui a certes été profondément balafré, mais qui reprend vie. Donc ça me redonne espoir. En tant que conservateur des espaces naturels, Andrew Painting a trouvé de quoi s'épanouir à Mar Lodge. Au départ, la situation du domaine n'était pas aussi idyllique. La forêt autour du vieux château de chasse avait presque disparu, résultat de décennies de déboisement excessif. La réponse des protecteurs de la nature se devait donc d'être radicale. Tolérance zéro à l'égard de la faune sauvage afin que les arbres puissent pousser, et ce, de manière autonome. Nous n'avons absolument rien planté ici. Nous avons simplement laissé la nature se régénérer toute seule. C'est vraiment fascinant. On peut voir pourquoi nous préférons laisser les arbres se reproduire naturellement plutôt que les planter. Parce qu'ils poussent où ils veulent, pas là où on pense que c'est bien pour eux. Il nous a fallu longtemps pour comprendre ça. Mais notre surveillance à long terme a montré que le nombre de serres est suffisamment bas pour que ces arbres puissent commencer à s'établir ici à grande échelle. Andrew nous montre un vestige de l'ancien temps, quand la chasse donnait encore le ton ici. La salle de bal du cerf, construite à la fin du 19e siècle, est ornée de près de 2500 bois. Autrefois, l'accès en était réservé à la haute société. Aujourd'hui, n'importe qui peut la louer pour y célébrer son mariage. Ce bâtiment permet de bien comprendre l'état d'esprit des propriétaires terriens de cette partie de l'Écosse. Sacrifier la faune sauvage au profit des arbres a valu de nombreuses critiques aux défenseurs de la nature, et de toutes parts. D'un côté, on nous a reproché de tuer trop de cerfs, de ne pas respecter la culture locale. Mais de l'autre, les associations écologistes estimaient qu'on n'abattait pas suffisamment de cerfs, qu'on n'allait pas assez loin. En réalité, on essaye de trouver un juste milieu entre les besoins des communautés et des cultures locales et les besoins de la nature. La mission d'Andrew consiste à observer les peuplements d'arbres de Mar Lodge pour découvrir ce qu'ils essaient peut-être de dire à l'humanité. Ce pin parasol vieux de 350 ans est l'un des plus gros du domaine. Il a connu les bonnes et les mauvaises périodes des Highlands et y a survécu. On a besoin de la nature d'une manière plus spirituelle. Elle nous montre notre place dans le monde. Elle nous rappelle que la planète n'appartient pas qu'à nous et que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est justement ce qui me plaît dans mon travail ici. Je suis une petite partie d'un grand tout et pas un simple rouage dans un mécanisme. Retour au Loch Ness. Jeremy n'en est qu'au début de son projet de réensauvagement, mais il y croit dur comme fer. C'est notre dernière chance. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de créer des projets qui soient porteurs d'espoir, en particulier pour les jeunes. Je n'ose pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour beaucoup d'entre eux. Sans aucune lueur d'espoir laissant entrevoir qu'on peut faire les choses différemment, qu'on peut vaincre ces menaces monstrueuses, il y a de quoi être démoralisé. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer dans ce projet. Loin d'être un simple idéaliste, Jeremy est aussi très pragmatique. Par le passé, il a déjà prouvé que les idées vertes pouvaient aussi rapporter beaucoup d'argent. Pionnier dans le secteur des énergies renouvelables, il a fait fortune en investissant très tôt dans le solaire. Ce qu'on fait ici n'est pas aussi simple qu'avec le solaire. Là, c'était clair. Le pétrole, le gaz et le charbon sont mauvais, il faut s'en débarrasser au plus vite et on les remplace très rapidement. Avec le réensauvagement, c'est une toute autre histoire. Jeremy rêve d'une Écosse sauvage, où nature comme humain soit en mesure de se développer.
Pour tester ses idées, rien de mieux que Beldorney, un domaine qui comprend un château. C'est ici que son entreprise, Highlands Rewilding, veut montrer que le réensauvagement ne chasse pas les humains et qu'au contraire, il crée des emplois verts. Comme ceux de Nicky et James Yoxall, des gardiens de troupeaux qui ont pour mission de démontrer que l'élevage de bovins dans la région peut aussi être durable. En Écosse, la place du bétail était dans les collines. Il y a plusieurs siècles, des tas de gens rassemblaient leurs bêtes pour les faire paître ici, surtout durant les mois d'été. Tu prends les piquets ? On essaie de ramener les vaches dans ces hautes terres parce qu'elles ont un rôle tellement vital à jouer pour les plantes qui poussent ici. Elles se développent ensemble. C'est peut-être ringard de ma part, mais je trouve ça vraiment fascinant. Nicky et James déplacent quotidiennement leurs bêtes sur de nouveaux pâturages. Et chaque jour, ils démontent et déplacent aussi la clôture électrique. Si on laissait les vaches aller où elles veulent, elles privilégieraient certaines zones qu'elles brouteraient abondamment et qu'elles recouvriraient de leur bouse. Et quand un troupeau reste au même endroit, qu'il engloutit trop d'herbe et que les racines meurent, le sol n'est plus en mesure de stocker autant de carbone. Donc si on fait tout ça, c'est non pas pour que les bêtes broutent davantage, mais pour que les plantes puissent se régénérer. J'adore quand elles font tout ça. Betty est toujours devant. C'est la vache noire là, avec les cornes. La meneuse. Généralement, elle passe la première et les veaux la suivent souvent de près. Nicky et James font partie d'une nouvelle génération d'agriculteurs qui privilégient le bien-être des animaux et de la nature plutôt que les profits rapides au détriment des bêtes. Le retour du bétail augmente la biodiversité, mais il permet aussi de faire revenir des gens à la campagne, parce qu'il faut du monde pour s'en occuper. On a décidé de vivre ici, et cette opportunité de contribuer à l'aménagement du territoire est un rêve devenu réalité. C'est extraordinaire. Le changement est partout dans les Highlands. Mais il n'est pas toujours question de réensauvagement. Parfois, il s'agit simplement de survivre économiquement lorsque les temps sont durs. Au domaine de Jamie, les clients sont de retour de leur journée de chasse. C'est une bonne journée pour nous. Si les clients sont contents, je suis content. On dépend des personnes qui reviennent d'année en année. Léon Vinholt est un homme d'affaires danois. Cela fait 17 ans qu'il revient ici chaque année. Il est fier d'avoir abattu 4 cerfs en 5 jours. Je peux rapporter ça chez moi. Une fois accroché au mur, ça me fera un souvenir. Voilà comment je vois les choses. Tu pourras accrocher tes vêtements et ton chapeau au bois. Mais de moins en moins d'amateurs de chasse réservent une semaine de vacances tout compris. Si notre activité se cantonnait à la chasse, je crois qu'on mettrait la clé sous la porte. Ça me rend triste que les choses changent. J'aime les traditions. Mais je dois me résoudre à me diversifier. Si tout allait comme sur des roulettes et que l'argent rentrait facilement, peut-être que je resterais là à boire trop de whisky et que je ne saisirais pas de la même manière toutes les opportunités qui se présentent à moi. Le domaine appartient à sa famille depuis 1927. Hors de question pour lui de le vendre. Il cherche donc des solutions pour en assurer l'avenir. Il faut que ses terres lui rapportent de l'argent pour qu'il puisse en vivre. On possède près d'un millier de moutons.
Sur votre gauche, là, il y a les cottages pour les touristes. Et sur la droite, on peut pratiquer le tir aux pigeons d'argile. On travaille avec des vaches, des moutons, des arbres et des touristes. Et les touristes veulent faire des choses. Donc on leur propose le vélo, l'équitation, la randonnée, l'observation de la faune sauvage, etc. C'est très important d'avoir une offre variée. Annie, go in here. Here, come on. Jamie est titulaire d'un diplôme en foresterie. Planter des arbres fait aussi partie de ses attributions. Mais ces peuplements de pins et d'épicéas sont destinés à être rasés d'ici 40 ans. Il faut donc les protéger. Ça, c'est un pin. Il est plutôt robuste. Ce pin a 6 mois. Jamie est convaincu que pour protéger les jeunes arbres, mieux vaut dresser une clôture de 2 mètres que d'abattre des serres. Ce grillage nous sert à séparer notre bétail de nos cultures. Et il en va de même avec les serres. On les tient à distance des arbres qui ont besoin de 15 ou 20 ans pour pousser. Et une fois grands, ils procureront un abri aux serres. Mais d'ici là, il faut clôturer. Le bois que Jamie fait couper sera utilisé en Écosse comme bois de chauffage ou de construction. Produire son propre bois est chose rare au Royaume-Uni. Le pays est le 2e plus gros importateur de bois du monde après la Chine. Jamie trouve que le transport sur de longues distances que cela implique est écologiquement très contestable. Il craint que le réensauvagement des Highlands ne fasse que déplacer le problème. Alors oui, j'exploite ces terres. Mais les gens ont toujours besoin de se nourrir, de se loger et de se chauffer. Si on arrête de produire du bois ici, il faudra en importer. Des terres seront donc quand même exploitées, mais ailleurs dans le monde. Et souvent dans des pays où les conditions sociales sont bien plus mauvaises. Sans parler des combustibles fossiles nécessaires au transport et qui rejettent bien plus de CO2 dans l'atmosphère que moi. Pour les nouveaux seigneurs verts, la priorité est de lutter contre le réchauffement climatique en freinant l'élévation du niveau de CO2. Quitte, pour ce faire, à couper des arbres. Jeremy et son équipe estiment que ce sont les monocultures de pins et d'épicéas qui ont détruit les anciens paysages marécageux. Quand les experts ont dit qu'il fallait abattre ces plantations en monoculture, j'ai dit, vous êtes sérieux? Je suis un défenseur de la nature, je ne vais pas raser des milliers d'arbres. Et regardez, pour l'instant, on dirait un champ de bataille. Mais je sais déjà ce que ça va donner d'ici 3 ou 4 ans. On peut le voir ailleurs sur le domaine, à des endroits déboisés où on assiste aujourd'hui à une magnifique repousse d'essence locale. La nature se régénère vraiment très vite. Ces marais ont été asséchés il y a une 40aine d'années, ce qui a libéré beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. L'objectif consiste maintenant à rectifier les erreurs du passé, en réhumidifiant ces zones. Les marais peuvent stocker plus de CO2 que n'importe quelle forêt. C'est plein de carbone. Yes. Une équipe de chercheurs aide Jeremy à documenter le retour de la biodiversité. Quelques mois à peine après le déboisement, le sol se régénère et des plantes typiques des marais font leur grand retour. Ça, c'est de la Cintrichia ruralis, une mousse très jolie mais qui n'est pas forcément signe de bonne santé d'une tourbière. Et là, on a de la sphaigne. C'est elle qui est très bonne dans les tourbières et qui retient beaucoup d'eau. Jeremy a convaincu de nombreux investisseurs d'embarquer dans son projet. Mais ce dont il a besoin, c'est un modèle commercial qui rapporte de l'argent et ne fait pas qu'en engloutir. Une course contre la montre est lancée, y compris pour obtenir des subventions et autres aides financières. Il faut que ça devienne rentable. C'est à ça qu'on mesure vraiment la réussite d'un projet. Si nous n'y parvenons pas, comment diable pourrons-nous persuader d'autres propriétaires terriens de faire ce qui est bien et de modifier leurs pratiques? Le réensauvagement des Highlands, c'est le projet du siècle dont on n'a pas fini de parler.